Ça veut dire qu'on partage une même culture et aussi on fait face tous ensemble aux mêmes défis. We feel Mediterranean and that's a movement in your heart. We carry on the identity of the Mediterranean with other Mediterraneans. Une capacité de mouvement entre sa propre appartenance et une appartenance culturelle autre. Et qu'on prenne conscience justement qu'on fait partie de cet ensemble extraordinaire. Un destin commun, quoi. Il y a deux berceaux civilisationnels mondiaux que sont la Méditerranée et le berceau de l'Empire du Milieu. Est-ce qu'il n'y a pas un nord et un sud, sud-est de la Méditerranée qui sont en fait deux mondes très différents? On est responsable du futur de cette civilisation. Je suis responsable de tout ce que je vais faire et tout ce que j'entreprends dans cet espace-là en tant que citoyenne. C'est les droits et les devoirs du citoyen face à une réalité commune. Et pour moi, les citoyens méditerranéens sont vraiment les porteurs d'un espoir de vie commune où il y a unité d'objectifs, mais en même temps diversité de vie. Donc pour moi, citoyen méditerranéen, c'est l'exemple idéal, si vous voulez, du citoyen du monde. Nous sommes dans un bassin, dans une même barque, et on doit tous faire un effort pour que cette barque continue son chemin et arrive au port. Si les différentes composantes des peuples autour de la Méditerranée deviennent des peuples méditerranéens, ils constitueront un outil avec une force important pour faire valoir leurs ambitions, leurs projets. L'intérêt commun d'avoir de bonnes relations, d'avoir un échange commercial. Pour créer des projets d'éco-développement et de tourisme durable. Il y a des défis de chômage, il y a des défis de mobilité et surtout il y a des défis par rapport à quel espace pour la société civile active et dynamique, pour les jeunes qui veulent s'engager. Alors pour cela qu'on doit travailler ensemble. Sans ouverture et sans une vie commune à des gens différents, on ne pourra jamais être en paix. Il n'y a que la Méditerranée qui peut donner l'exemple de cette paix multiforme et unifiée. Et s'il n'y a pas une communauté de peuples, on ne pourra pas arriver à faire cet avenir ensemble. Elles sont trop nombreuses. Premièrement, les frontières, c'est les inégalités. L'héritage intellectuel, des fois obscur, des fois chauviniste, des fois fermé. Les frontières de notre imaginaire, des stéréotypes, des clichés. De l'idée des religions qui deviennent des idéologies par tout le monde. Donc ils sont utilisés, instrumentalisés par le pouvoir politique. Les intérêts économico-politiques des grandes puissances. Des guerres, des conflits nous montrent que ce sont ces mêmes États qui ne favorisent pas la naissance de la Méditerranée. Je crois que le concept même de communauté méditerranéenne, de Méditerranée, est un concept eurocentré. L'idée méditerranéenne est très peu ancrée dans les consciences des peuples arabes, par exemple. On leur colle quelque part cette notion d'appartenir à un ensemble méditerranéen. L'instrumentalisation de l'émotionnel et du culturel à des fins politiques. Les droits de l'homme, aujourd'hui, dans notre espace, ils sont vraiment pas reconnus. La langue, parfois, fait un obstacle, comme un plafond de verre. Qui ne laisse pas vraiment une liberté de la pensée pour pouvoir s'émanciper et accepter la différence et connaître l'autre et même vouloir connaître l'autre. C'est un espace très masculin. La femme, même si elle est très présente, elle a un second rôle, même dans les pays du Nord. Rassembler ses forces pour s'exprimer, ça reste à construire. Pour l'instant, c'est dans le monde des idées. Une fois que cette grande idée-là sera plus ancrée sur les territoires, on aura déjà franchi un obstacle assez important.
tirer la sonnette d'alarme politique. Défendre son droit à exister, à vivre, à être reconnu en tant que personne humaine. Le respect des principes démocratiques doit être la règle. On doit construire une nouvelle époque. Un mode de vie digne d'un être humain qui vit au XXe siècle. L'art est une solution à tout problème technique. Il peut y avoir une réponse artistique. Créer une entité sub-méditerranéenne, je dirais, enfin, qui, partielle, celle qui est portée par les révolutions arabes. Ajouter le thème de citoyenneté méditerranéenne dans les programmes de tous les pays méditerranéens. Il faut d'abord faire la paix avec son histoire, avec son passé, pour se connaître soi-même et pouvoir connaître l'autre et accepter l'autre par la suite. Si on connaît sa propre histoire, on se rend compte que depuis des siècles, on est ensemble. S'engager, essayer d'être actif et participer dans des organisations de la société civile. Pour qu'il y ait une société civile et un engagement fort, il faut que ce soit un engagement indépendant. Penser à mieux partager les richesses, que ce soit des richesses scientifiques, culturelles, politiques, économiques et même des ressources humaines. Et pour ce faire, il faut la mobilité. Un vrai transfert d'industrie, un vrai transfert de technologie pour que l'arc sud, avec le nord, puisse développer des filières d'exportation communes. Éliminer le conflit qui le traumatise. Aujourd'hui, on voit que la Méditerranée est une terre de conflits, que les femmes peuvent changer la donne très fortement. Plus d'actions communes entre les gens, les citoyens du Nord et les citoyens du Sud. Et être surtout sur le terrain. Parce que la théorie, à un moment donné, c'est pas ça qui fait avancer les choses. Voir le projet de chacun et essayer d'en construire un en commun sur le terrain. Il y a énormément de femmes et d'hommes qui ont des projets qui peuvent leur sembler fous à eux, mais qui peuvent être concrétisés si on les regarde d'un peu plus près, si on leur ouvre les portes un petit peu plus grand. Et je vous promets que c'est des porteurs de projets, mais extraordinaires.